Et dans le temps de cause, le commissaire Miscardin continue à étonner un pile monde. Le commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Miscardin, continue à faire parler de lui. Le commissaire Miscardin a arrêté un jeune garçon qui a maltraité une jeune femme sur la place Carrefour des Rissoirs dans Miragouane. C'était eux deux qui ont maltraité une jeune fille. L'autre là en cavale, d'après intervention chef parquet Miragouane, pendant participation li dans lancement officiel vendredi 10 mai 2024 la liaison nationale des organisations des femmes pour l'intégration. Commissaire Miscardin mandé mesdames yo pour toujours porter plainte à chaque fois yo victime sous quelle que soit forme. N'a saisi ouais comment public là t'est accueilli arrivé commissaire gouvernement Miragouane. Madame, monsieur, dans quatre lancements, ça, on suit. Et bien, nous camper pour lui applaudir, commissaire Miscardin. Je salue toutes les pédagogues là, en général, qui vont là, qui n'ont pas été là. Je salue, et je vous fais des nouvelles, et moi-même, je vous remercie. Même pas que Mme Sadi, donc pas d'avoir pu me passer à Mme Sineas, et loger moi pendant 5 ans, quelques mois, dans Miragouane. Donc ça veut dire c'est à féliciter, c'est à encourager. Et nous disons merci beaucoup dans nos toutes femmes haïtiennes, et dans nos toutes mondanites, et dans nos diaspora, qui ont gardé et qui ont fait de nous. Donc pour me féliciter aujourd'hui, là, Mme Sadi, nous sommes en ville, donc qui est là pour la guerre. Mais Mme continue de batailler pour nous, nous allons faire confiance du 3 du matin, et nous allons toujours à la rue. Pour nous vacuer avec occupation. Donc, moi, là, pour nous, depuis le deuxième mois, moi-même, moi, interdit tout le monsieur pour ne pas dériver sous mesdames. Bien que ce soit raison, depuis le bas de mesdames, là, je m'en vais arrêter. Maintenant, là, je vais arrêter deux. Je vois dans mon carrière, je vais arrêter. Donc, Carrefour des Rissoirs, dernière démonstration de fait maintenant, c'est Carrefour des Rissoirs, c'est une jeune demoiselle, moi, sur 22 ans, qui a deux citoyens battus, et ceci, quand je suis bien patron. Et une déjà arrêtée, il a voulu s'aider à l'autre année même, il a cherché. Donc, interdit pour nous de vivre sous le pays. Et Miragouane, nous avons cassé les efforts sur nous. Finalement, si on va demander pardon, et faire confiance, c'est fini par avoir le nom. Donc, moi, là, pour vous, mesdames, nous, mesdames, je vous connais, et vous connaissez vous-même, nous, mesdames. Merci. Vous savez que lorsque nous sommes, nous déjà plus le pays, nous avons plus de poser. Vous avez ça. Merci, M. Antin. Je salue le président. C'est l'association Samaritaine de Miragouane. Il n'y a pas un pile côté dans le pays pour que, au vendredi matin, comme ça, pour nous chita, pour nous discuter, pour nous réunir, pour nous parler comme ça. Est-ce que ça facile dans le pays? Non. Il n'y a pas facile dans le pays. Même si quelqu'un côté vous êtes carré, il est bien dans nous, capable de comporter nous. Parce que vos maris, nous avons perdu vos petits, nous avons perdu vos branches de famille qui sont allées, vos cas déjà que vous avez fait sur petit tout, vos violés, vous avez violé ou pas d'après là. Donc pour raison ça, les gens qui ont un signal fort et qui jusqu'à présent ont tenu avec ça, donc c'est vos autorisations que vous mettez chapeau bas vous. Merci Madame Luna. Encore panel là, nous saluons le gros force qu'a fait dans le niveau du département. Et nous avons l'honneur, pas qu'on essaie en tant que magistrat ou bien ce que homme féministe, là, parce que moi je suis un peu de monde qui là, moi je contribue à aider à monter des structures d'organisation de femmes. Et ce n'est pas Jodia et pas magistrat, parce que il y a une plus grande organisation qui vient dans la commune qui c'est vos femmes. Moi je crois que pour gagner combien président, toutes ces garçons, chaque 4 ou 5 mois, eh bien nous-mêmes nous réclamons une forme de paix climatique. Qui est la presse parlée, écrite, télévisée, et médias en ligne. L'INOFI félicite nous pour le sacrifice qu'on fait chaque jour pour qu'il y ait des populations hein, informées dans toutes circonstances. Chapeau pour nous. Les nous constatons, ça fait longtemps, il y a un pile bel slogan
qui a lancé à campir l'organisation femme, qui a formé presque tout côté dans le pays. Pourtant, la situation sociale, politique et économique femme n'a pas jamais changé. Là, nous constatons un pile d'argent débloqué sous nos femmes à gros projets à monter. Malgré ça, l'organisation femme qui travaille tout bon, rete gardé, il y a pilonné travail. Là, nous constatons un pile gros décision à prendre pour le pays. Côté gros et bon, yo campé pour yo mastiner travail femme. Gros goût mette fait pour nous joindre un quota 30%. Malgré ça, décision ça n'a pas qu'à respecter dans toute intégralité. Là, nous constatons que les forces noires ont gagné une façon pour courir derrière les femmes. Ils ont gagné un slogan pour faire nous démarquer. Qui donc, nous ne sommes pas jamais représentés valablement. Malgré nous-mêmes, femmes, nous avons des compétences, volonté et détermination pour travailler pour le pays. Pour nous citer ça seulement, l'organisation femmes qui dans 10 départements pays et la diaspora, nous voulons rebattre 4 là. Nous voulons pour l'État appliquer une politique de genre en faveur de toutes femmes dans la société, surtout les femmes. Ces femmes et les garçons qui composent son société, qui donc femmes yo dwe la. Oui, yo dwe la. Femmes yo dwe la, mesdames. Dans toute décision qu'a prend pour nous gagner l'autre Haïti, Haïti nous tout rêve, côté nous tout qu'a vivre correctement. C'est peut-être ça, organisation femmes dans 10 départements pays a fait un pile brasser l'idée. Nous réfléchissons sur tout ça qu'a passé. Après un pile réflexion nous fait, nous entendons nous pour nous mettre en campagne un instructrice national qui regroupe toute organisation femme à la ronde. C'est dans ce sens ça, jour qui était 25 mars 2024 là, nous mettons en campagne organisation ça qui relève Liaison nationale des organisations de femmes pour l'intégration qui est acronyme qui c'est LINOFI. Tout le monde connaît qu'il y a une pile organisation femmes dans le pays. Mais nous voulons connaître tout, l'INOFI n'est pas une organisation en plus. C'est plutôt une structure qui est là pour connecter toute organisation femmes dans 10 départements. Comme ça, chaque fois que nous avons une décision pour nous prendre, nous allons prendre ensemble dans l'intérêt de nous tous. L'INOFI, c'est une structure qui veut encourager les femmes à intégrer. À participer dans la vie sociale, politique et économique du pays. Nous faisons promotion pour respecter les droits de tout le monde, spécialement les femmes et les filles, dans tout domaine. Nous bataillons pour frapper toute forme de violence qui passe suspendre les fêtes sous les femmes et les filles. L'INOFI va être l'émission pour le gouvernement contre toute injustice sociale contre les femmes et les filles. Goumen contre toute loi discriminatoire sous forme active. Bataille pour gagner justice avec texte de loi qui marie la réalité société. L'INOFI pral goumen contre tout blocage et barrière qui fait au mal. Ouais, femme yo dans société. Et puis qui empêche femme yo intégrer yo tout bon vrai dans la vie sociale, politique et économique pays. Vous mettez pour femmes qui jouent travail à dignité sans contrainte et puis intégrer tout le pays au l'État depuis que vous avez des compétences. Vous n'avez pas besoin de négocier. Ça fait trisonnaille, c'est un gros problème que femmes haïtiennes ont confronté tout le temps. Et puis c'est un facteur tout qui fait violence sur les femmes répétées plus chaque jour. L'INOFI veut vous mettre pour femmes venir autonomes sur le plan économique. Pour être ça, nous allons mener un plaidoyer pour encourager l'État à mettre un bon crédit dans tout département en faveur des femmes. La bataille l'INOFI, c'est une bataille pour nous tous. Pour toute décision l'État, nous connaissons la gloire du pays, la convention internationale, à tout protocole l'État signé pour changer les conditions de la vie des femmes sans distinction. L'INOFI pral bataille pour que bon gens l'éducation. Yon l'éducation dans équité
côté toute qualité monde sans nous pas mettre personne sous côté qu'a joindre morceau pain l'instruction. Liaison nationale des organisations de femmes pour l'intégration l'INOFIP lance un appel by tout le monde. Tout secteur côté collé à cli dans l'idée pour nous atteindre objectif ça yo. Pendant temps ça yo, l'INOFIP mandé conseil présidentiel là prend toute disposition yo pour améliorer conditions la vie moun yo, surtout femmes actives yo. Femmes yo, surtout madame Sara yo. Yo pas capable encore, yo fin décapitaliser. Li lè li temps pour nous râler en souffle mes amis. Nous profiter mandé communauté internationale là surtout acteurs humanitaires yo. Tout pour venir aider population qui dans condition difficile. Vivons Haïti côté tout surtout femmes actives yo capable jouir un droit libre et libre. C'est pour soleil la vie a éclairé sous pays nous. C'est pour éclairer sous toute femme actives. Oui, c'est pour éclairer sous l'INOFI. Vive Haïti, vive l'INOFI. Merci.